T'es là, on est devant chez ma mère. Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de l'humoriste influenceur Nasdas et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La chanter, là, on est devant chez ma mère. Et ma mère, là, elle va voir ma coupe. Et je vais recevoir. Juste écoutez. Les côtés, j'ai pas fait, j'ai fait que le haut. Regarde, mais t'énerve pas, Jorola, là, tu t'énerves pas. Non. Jorola. Là. Si, c'est une Non, mais voilà, je vais raser. Je vais tout raser. Non, voilà, je vais tout raser, ma voilà. Mais je suis pas un clochard, hein, je suis pas un clochard. Mais c'est une teinture, moi, je vais tout raser. Non, oui, t'es rasé. Qu'il dit haka? Elle parle bien de mon père. Hein? Pas que je partais dire haka? Pour rien faire, voilà, avec cette daronne, c'est un truc de... 135 euros, c'est pourquoi? 135 euros d'électricité. D'accord. 200 euros pour le ramadan. Et 100 euros pour le jardin qu'il doit payer. Ça, c'est de l'argent que je dois donner à ton père. Ben ouais, si c'est pas toi qui le donne, c'est qui le donne après. Attends. Chaque fois, la chaîne T sur la tombe à mon père qui me sort cette même disquette. Haka, délicieux, jure, c'est pour ton père. Mais voilà que c'est pour mon père. Viens, on va le voir. Eh bien, voilà. Voilà, je te parle de rien. Viens, voilà, on va le voir. T'es sûr? Mais voilà, c'est pour mon père. Vas-y. Commence pas à bégayer devant lui. Voilà, ne commence pas. Ça va, tonton? Tu vas bien? Oh, tu es. Tranquille, alhamdoulilah. Tu vas bien? Bien, voilà, alhamdoulilah. Ça va? Que tout l'argent qu'il m'a dit, vous en avez besoin, monsieur? Voilà, c'est vrai. Mais monsieur, votre fils, il fait des pubs. Ouais, votre fils, il gagne de l'argent. Je comprends pas. J'ai jamais vu son argent. Où il est passé? Jamais t'as donné de sous. Jamais t'as donné un euro à ton daron. J'ai ma femme assumée. Jamais, jamais il vous a donné un euro. Jamais vu son argent où il le met. En plus, je n'ai pas vu, j'en ai Tiens, il y a 300 euros, je crois. Prends-les, ça c'est pour toi. Lui donne pas un euro, tonton. Voilà, lui donne pas un euro. Voilà, je donne pas. Voilà, même ton daron il t'aime pas. Même ton daron il t'aime pas. Lui prend. Non, lui donne pas. Non, reste, arrête. T'as jamais donné un euro à ton père? Mais parce que moi avant, il me donnait pas un euro. Ça veut dire maintenant, moi je retiens ce qu'il me donnait et ce qu'il me donnait pas. Ça veut dire maintenant, si j'ai de l'argent, je donne pas. Il est con. Venez, les petits, venez. Ah, venez tous là, venez tous là. Eh les gars, j'ai une question à vous poser. Ouais. Qui veut des sous? Moi. Ah bah allez travailler. Eh, j'aime trop leur faire cette blague. Ce que j'aime dans ce quartier, c'est qu'on est tous pas beaux. On a tous des têtes bizarres. Très bizarres. Des grands, des petits, des princesses, des ogres, des mangas, des beaux gosses. Mais par contre, toi, t'as pas ta place dans ce quartier. Voilà, t'as pas ta place. T'es trop beau. Regarde nous là, nous. On est tous très moches. Là, attends, par contre, t'es beau. Non, je suis pas beau. Toi, t'es beau. Ouais, Lina, ma chérie, c'est la team Nasdas. On est tous là. Oh, on veut juste dire qu'on t'aime beaucoup, Lina. N'oublie pas, choisis ton cadeau auprès de ta maman. Elle viendra nous le dire. Et n'importe quel cadeau que tu veux, la team Nasdas va te l'offrir. Oh, surtout Nasdas. Hein, Lina, on t'aime beaucoup et on te fait des gros bisous. J'adore, Lina. T'es la meilleure. Fort. Oh. Le casque. Take money. Ok. Ça fait. Je suis dans le Banks. Je que toi que des mauvais garçons. Hein? Toi tu fais la scène, mais tu mouilles juste au bruit des klaxons. On monte le son. Et là tu m'appelleras le sang. Une siroc avec glaçon pour faire sortir l'inspiration. Ah. Comme les loups, marche en maître quand tu les vois, fais attention. On a la dalle, on te monte en l'air. Et ça a été commis vert, charbon dur. Fais en plein pour cette liasse de billets verts. Si nous la hurle, tu verras que mon pare-choc justement en l'air. J'ai fait du sale pour être propre. Mon poteau, j'en suis pas fier. J'ai pas le choix, je fais des rangs. Mon poteau, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai les nerfs. Parce que j'ai trop de fer écroué. La proc voulait me faire avouer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le passé, c'est le passé. À faire classer, je fais mes. Grâce à Nasdas, et je le remercie. Et franchement, grâce à lui, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais personne. Là, maintenant, j'ai fait des feats avec des gros artistes français. Et je suis connu dans les radios comme Skyrock. Et je fais des interviews, des showcases, des pubs, j'ai de l'argent. J'ai... C'est leur première interview, la chaîne T. La tête de ma mère.
Ils sont tous en train de parler de Nasdas. Ouais, c'est grâce à Nasdas. Mais non, mais c'est grâce à vous tout ça. La tête de ma mère, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi. J'ai fait quoi, moi? J'ai rien fait. Je suis énervé. Qu'est-ce que tu connais, toi? Je vais tous les allumer. Appelle-moi bras droit, Nasdas, tu connais. Toujours équipé. Non. Tout le temps à mes côtés. Non. Quand je les ai devant moi. C'est pour te faire choquer, oui, cappuccino ou thé. Non, non. Ne t'éloigne pas trop, la caméra vient vers moi, tu connais. Et t'aimes ça? T'aimes ça? Et alors bientôt, dans pas longtemps, je vais vous faire un programme, toi et ton frère, sur la tête de ma mère, vous allez perdre 913 kilos. Et t'en resteras quand même 800 à perdre, mais tu vas voir. Et qui je croise? Hey, j'ai dit à ton frère que j'allais faire un programme de muchachos. Tu vas te caguer dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez Saint-Jacques, le quartier à Nasdas? Mais sûr, tout le monde connaît la Castellane à Marseille. Là-bas, la chienté, j'ai vu par mes propres yeux, j'y suis allé, c'est la pure chienté. Oh, et là-bas, il y a une page, elle s'appelle la Castellife. Elle appartient à tout le quartier. Oh, et c'est la pure chienté. Oh là, c'est la pure, 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 pure chienté. Allez, regardez ces vidéos. La Castellife, tout d'abord, merci pour l'accueil. Oh là, hey, la tue Nasdas, là, oh là, on est choqués. Eh hey, là, c'est la cité, ma gueule. La Castellife. Castellife, toutes les vidéos officielles de la Castellane, la vie de la cité. Retrouvez ça directement ici. Je vous embrasse très fort. Bisous la Casté. Bon. Donc voilà, c'est la fin de la story. Donc, on apprend en flagrant délit que Samos n'a jamais donné des sous à son père. N'a jamais donné des sous à sa famille. Mais là où il m'a fait rire, c'est qu'il me l'a dit. Ouais, mais il m'a jamais donné de sous, je retiens. Mais tant que j'ai des sous, ben, je donne pas à ceux qui m'ont pas donné, je retiens. Mais Aoudé, tu vois pas tout qui t'ont nourri. Qui t'ont nourri depuis que t'es bébé. Ah, c'est incroyable. Même ne comptant même pas la nourriture, comptant juste les cadeaux de l'Eid, les cadeaux de l'Eid al-Kébir, du petit Eid, Baba Aïchora, on va dire Papa Noël chez les Européens, l'anniversaire, tout, rien que ces cadeaux-là. Rien que ces cadeaux-là. Après, il y a deux sortes de parents. Bassem, il en parlait. Il y a les parents qui estiment que dès que leurs fils y travaillent, qu'ils sont à la maison, ben, ils participent un peu à payer le loyer, les frais de nourriture. Voilà, ils donnent un petit billet, ils donnent un peu de sous chaque mois quand ils travaillent. Quand ils travaillent, quand ils sont à la maison, il y en a certains qui restent longtemps à la maison. Voilà, c'est, ils participent. Et il y a des parents qui ne demandent pas. Qui demandent pas pour. Il y a deux sortes de parents qui ne demandent pas. Il y a une sorte de parents qui ne demandent pas parce qu'ils ont les moyens. Et une autre sorte de parents qui. Qu'ils estiment que voilà, ça va, ils sont pas en difficulté et que voilà, quand ils élevaient leurs enfants, voilà, c'est donner pour donner sans rien attendre en retour. Et après, c'est normal d'aider les parents quand on travaille et quand ils sont en difficulté, ou ne serait-ce qu'ils ont des fins de mois serrées, que toi tu peux te permettre de te payer un restaurant, paye-leur au moins un restaurant, quelque chose ou. Les aider à faire le panier de course, c'est quelque chose de normal d'aider. Ne serait-ce les cadeaux, voilà. Si on peut, ben, on doit aider les parents, bien évidemment. Comme ils ont tout assumé depuis la naissance. Voilà, tout simplement. Sinon, Nasdas, avec toute son équipe, ils font des vidéos d'humour. Apparemment, il y en a plein qui n'aiment pas que je dise que c'est un humoriste. Pour moi, c'est un humoriste parce qu'il fait des vidéos d'humour. Mannequin aussi, parce qu'il fait des placements, du mannequinat, influenceur, lifestyle. Voilà, il partage la vie du quartier avec toute sa team, Samos, Billy DZ, 4BDV, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu. Bisous la Casté. Bon.